Bien, salut à tous les amis, c'est Gloglois71 et on se retrouve aujourd'hui pour le 18ème épisode de Gloglois Kingdom. Ouh, yeah, ça c'est trop la classe. Vous pouvez en juger par rapport à ce que j'ai actuellement dans ma main, c'est-à-dire une pioche, que ça va être un épisode spécial minage. Ouh, yeah, ça va être trop fun. Allez, donc, pour miner, où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qu'on va faire? Alors déjà, je tiens à préciser que dans le dernier épisode, j'ai fait une erreur incommensurable. J'avais oublié de prendre des cookies à la fin de l'épisode. Je suis vraiment désolé. Je me suis rattrapé et donc du coup, j'en ai fait plein entre épisodes. C'est-à-dire, j'ai laissé pousser ça. D'ailleurs, vous pouvez voir que du coup, tout le champ est bien rempli. Donc du coup, je crois que j'ai 3 stacks de cookies maintenant qui m'attendent, plus les 16 que je viens de prendre sur moi. Voilà, voilà, je suis en mode rageux. Moi, il me manquait un cookie, donc je m'en suis fait 3 stacks. C'est tout à fait normal. Ce qu'on fait, c'est... dès le début, je suis désolé, petite ellipse pour se retrouver, vous savez, j'avais noté les coordonnées d'une mine abandonnée du coup. Donc voilà, on se retrouve tout de suite là-bas, je voulais pas faire avance rapide, donc ellipse. Donc voilà, on se retrouve dans la mine, donc vous pouvez voir que je me suis pas trop fait chier à creuser de façon compliquée. Donc voilà, j'ai juste repris quelques torches du coup, juste après avoir fait les livres, je me suis rendu compte que j'avais une trentaine de torches qui serait pas suffisant, je sais pas pourquoi il y en a une qui traîne là. Donc voilà, on se retrouve donc ici. Ah bah oui, c'est les choses je crois avec lesquelles j'avais commencé à miner, mais du coup j'avais rien pour récupérer. Je viens juste de me rendre compte que c'est assez chiant parce qu'il y a du gold rod, mais je vais pas pouvoir le récupérer avec cette... Ouais, je peux pas le récupérer. Bon, dommage. C'est quoi ça? Oui, c'est du goldron aussi. De l'or. Bon, ça, je peux. Bon, ok. Bon, on est parti donc pour du minage. Donc, vous pouvez voir, voilà, j'ai mon truc d'obsidienne, mon truc d'émeraude. Hein, j'ai pris les deux pour éviter de trop gaspiller celle en obsidienne. Même... Enfin, celle en... Non, attends, c'est... En ultranite, oui, excusez-moi, c'est pas l'obsidienne, c'est de l'ultranite. Donc voilà, j'ai celle en ultranite. Bon, à 6300 utilisations, normalement, ça va. Il devrait faire quelques épisodes. Oh, d'accord. Je vais dire quelques épisodes, contrairement à ma pelle en fer qui vient juste de se finir. Bon bah ok. Donc oui, je sais, ça fait bizarre, j'ai des trucs en ultranite et une armure full diamant et une pelle en pierre tout simplement. Mais je sais pas si vous vous rappelez, mais j'en avais fait une dizaine de trop un épisode sans faire exprès. Donc bah, maintenant, il va falloir écouler les stocks. Hein. Hop, 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 merci. Ça m'embêtait. Toc, oh c'est chiant, ça c'est tellement... embêtant pour pas dire autre chose. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ça comme ça. Merde, revenez ici les beefsteaks. Excusez-moi, j'essaie de ranger mon truc pour éviter de pas trop avoir à mourir tout simplement. Putain, mais c'est tellement chiant ça. Allez, 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 hop. C'est juste pour couper l'eau en fait. L'eau dans les mines, il n'y a rien de plus chiant je trouve. Ok, donc ici il y a de la lave. Il doit y avoir des mobs qui traînent. Oh, c'est quoi ça? Ah non, c'est un champignon, d'accord. En fait, en donnant comme ça, ça donnait l'impression qu'il y avait un mob comme ça. Enfin, c'était bizarre. Voilà. Bon, bah, tant qu'il n'y a pas de mob, en fait, ça va. Je suis en train de me plaindre, mais c'est cool. Toc, toc, toc. Il faut juste, à mon avis, que je descende assez bas. Parce que, du coup, là, je suis à 16. Enfin, je suis pas forcément très bas à la bedrock, quoi. Par rapport à tout en bas. Je vais voir que je descende un petit peu. Alors là, faire super gaffe. Parce que la lave, ça pardonne pas. Hop, ok, c'est bon. Donc, de l'or encore, tant mieux. En fait, le truc en émeraude, ça casse pas si vite que ça. Enfin, surtout à côté de l'ultranite, quoi, je pense. Hop, un émeraude, ouais, c'est nul. Un émeraude, c'est tout pourri. Mais bon, c'est pas grave, comme ça, je me ferai des pelles en émeraude la prochaine fois, ça sera beaucoup plus efficace. La prochaine fois, pour un peu qu'il y en ait une. Donc voilà, épisode minage, je sais que ça plaît pas forcément à tout le monde, mais bon, j'ai fait beaucoup de nouveautés dans les derniers épisodes, faut pas déconner, je veux dire, l'ultranite, l'obsidienne, c'est allé assez vite. Certes, il reste encore le magdénium ou un truc dans ce genre, mais ça, je vous promets que ça va être cool aussi, mais du coup, comme c'est un craft super long, super chiant, super dur à faire, ça sera pour plus loin dans l'aventure, en fait, tout simplement. Est-ce que je récupère les rails? Non. Ouais, j'ai pas réellement l'intention de me faire un circuit en minecart non plus. Mais en même temps, ça peut toujours être pratique, on sait jamais. Je pourrais essayer d'en faire un qui relierait rien du tout à rien du tout, mais bon, pas grave. Alors, excusez-moi, je remettais juste mon casque. D'ailleurs, j'ai vu un coffre là-bas, en fait, je suis bête parce que je l'ai vu en me disant je vais aller le voir, mais du coup, je suis parti sur autre chose. Hop, là. Allez, allez, hop. Bouge, 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 hop, je prends les rails. Bon, je vais en prendre un petit stack quand même au cas où. Hein. Donc, attendez, là, le coffre. Hop. Hop, 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 allez, allez, putain, c'est chiant l'eau, sans déconner. Alors, du pain, non, cool, 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 cool. Bon, en fait, il n'y a que le diamant qui est vraiment intéressant. Enfin, et le pain aussi, parce que la bouffe, c'est toujours intéressant, mais
Bon, le diamant, j'en ai plein, mais bon, même si c'est vrai que les stacks partent assez vite, parce que comme vous avez pu le voir en craftant mon truc en ultranite, j'ai perdu plein de diamants. Ce qui veut aussi dire que du coup, je vais devoir essayer d'en trouver. Voilà, c'est objectif, je pars miner pour essayer de retrouver du diamant en masse. Et quand je dis en masse, ça serait un petit stack, ça serait pas mal, tu vois. Normal. Non, ce qui serait cool aussi, en fait, ça serait d'avoir un enchantement assez haut pour pouvoir enchanter cette pioche-là. Mais genre l'enchanter bien, tu vois, un bon truc level 30. Genre efficacité pour que ce soit encore plus rapide et un truc du genre durability, tu vois, ça serait bien cheaté. T'imagines un truc durabilité 5, un truc comme ça dure 5 fois plus longtemps, déjà que c'est quasi incassable. Ça serait bien, bien énorme. Oh zut, je me suis trompé de bloc. Ça, je le veux. Hop. Bon, je récupère du charbon, je sais que ça paraît ridicule, surtout que j'ai du plutonium en fait. Ouais, le charbon ça sert à rien. Si ça donne un peu d'XP, ça par contre c'est cool. C'est le seul truc qu'on peut trouver cool en fait là-dedans. Je veux dire, il y en a qui tapent des mobs, moi je récolte du charbon. Mais c'est vrai que je vais éviter de pas trop m'attarder dessus parce que si on va dans le Nether, on prend du plutonium et dans notre four en Goldron, on fait cuire beaucoup plus vite. Bon, c'est vrai que ça coûte beaucoup plus cher aussi, mais bon, c'est quand même un luxe qu'on peut se permettre, j'ai envie de dire. Enfin, c'est bon, dans le Nether, vous avez bien vu quand on y est allé, il y en a absolument partout. Putain, c'est chiant les toiles d'araignée par contre. Aïe! Oula! Je serais mort à cause d'un truc aussi idiot que ça. J'aurais un peu rage quit, je pense. Allez, allez, dépêche-toi. Ouais, ok. On coupe toutes les sources d'eau. Et vraiment, c'est un truc qui me stresse, moi, si elles sont pas toutes coupées. Oula! Genre, regardez, de l'émeraude juste à côté de l'or. C'est un peu buggy d'ailleurs cette mine, hein, je tiens à le préciser. Enfin, je pense que vous l'avez remarqué surtout, mais c'est un peu n'importe quoi, tout est dans n'importe quel sens. Attendez, on va prendre à l'ultranite, c'est beaucoup plus rapide quand même. C'est assez fun, hein, ça fait presque one shot les. Enfin, la stone, quoi, ça l'éclate presque en un coup, c'est assez. C'est assez luxueux, on va dire. Oh, il y a du diamant en bas, il y a du diamant en bas, il y a du diamant en bas, il y a du diamant en bas. Je t'ai vu, petit diamant, il y a du lapis aussi, bon, le lapis, hop. Le lapis, voilà. Le lapis, voilà, on s'en fout un peu. Mais bon, on va le prendre quand même. Parce que le lapis, c'est beau. Et ça donne de l'XP un peu. Hop, voilà. Et par contre, on va prendre le diamant. Je vais juste poser ça là. Parce que j'ai pas envie que ça me tombe dessus. Quoique, c'est peut-être pas une bonne idée si. Qu'est-ce que je peux mettre pour me protéger? Bah, tiens, je vais mettre les 5 blocs de sable à la con là. Tain, tain, voilà, je mets ça comme ça. Alors, diamant. Un diamant. Deux diamants. Oula, merde. J'ai carrément cassé deux dirt. Sans faire, ah non, une dirt sans faire exprès, tellement ça va vite. C'est trop cool. La vitesse à laquelle ça va, c'est carrément génial. Donc, je pose la scène, le sand, enfin le sable, mais voilà, me faites pas chier. Hop. Aïe. Je suis diabolique, moi je dis. Tiens, on va faire ça. Voilà, comme ça va bien faire chier. Et moi, en même temps, ça va un peu me sauver la vie. Et voilà, ça nous fait de l'obsidienne en masse. Comme ça, si je veux repasser un jour, j'aurai de quoi faire. Voilà. Et puis en même temps, on va pouvoir visiter un peu ça. Donc, vraiment, l'astuce du seau d'eau qui n'est pas stupide du tout. Oups. Oups, oups, oups. Oui, c'est un sacré lac de lave, j'imagine. Tiens, on va faire ça comme ça. C'est tellement diabolique. J'adore faire ça. Éclater la lave à coups de seau d'eau, c'est tellement cool, quoi, la lave. C'est un peu une vengeance, en fait, hein, contre tous les rage quits qu'elle m'a fait causer. Quand après 1 heure de minage, tu te retrouves. Quand t'as tout perdu, tout simplement parce que t'es tombé dans la lave, bah là t'es content de mettre un petit seau d'eau. Ça dégage toute la lave. Tiens, c'est marrant parce que ici ça doit rejoindre le truc justement. Non. Je sais pas, en fait, j'ai juste des gros trips ridicules. Mais. Non, je croyais que ça allait rejoindre du coup le lac de lave. Je sais pas, ça me paraissait logique, mais non. Mais non, c'est plus haut, ok. Donc, ici, je suis déjà passé, je me perds déjà, c'est un peu honteux, on va dire, mais. Hop! C'est tellement cool, vous avez même pas idée. Bon, c'est pas grave. On continue. Alors, c'est vrai que je suis un peu paumé, du coup, je pensais que c'était grand, mais en fait, c'est pas forcément que c'est petit, mais c'est que c'est mal foutu, on va dire. Donc, du coup, je me perds assez vite. Toc, après, il va falloir s'agir de rentrer aussi, ça va être très rigolo ça. Bon, à mon avis, pareil, je le ferai en ellipse parce que s'il faut que je passe 1 heure à faire ça va pas être cool. Hop, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Un couloir! Et encore un courant d'eau tout pourri! J'ai vraiment pas de bol, j'ai l'impression. Non plus. Putain, y a rien, ça m'énerve. Ça m'énerve! Ça me saoule! Je suis à 16. Ouais, c'est vrai que je peux quand même trouver des trucs à cette hauteur là. Le gravel. Tadadam.
Alors ceux qui sont en train de se dire pourquoi j'utilise pas de la cobble tout simplement, ce que je vais quand même devoir faire pour bloquer, et que je mets plutôt des trucs, enfin genre gravel et autres, tout simplement parce que j'ai déjà expliqué plein de fois, mais la cobble c'est assez précieux avec ce mode, étant donné qu'il va m'en falloir plusieurs milliards de stacks pour commercer avec le village, enfin et construire mon royaume. Ce que j'espère marchera, parce que bon bah voilà, comme vous avez pu le voir, c'est plus ou moins buggé le village quand même. C'est pas trop grave en soi. Hop, il faudra faire un travail de dessablement tout simplement. Ok, bon, un méga lac de lave comme j'en ai jamais vu encore, je crois. Bon, si j'en ai déjà vu plus grand, je pense. J'ai déjà vu plus grand, cela va de soi. Je suis Gloglo 71, je suis un vétéran, je connais tout, j'ai déjà tout vu. Quoique, peut-être pas. En bref, j'essaie de continuer et de pas trop dire de la merde, ce qui est pas fa forcément facile parce que j'ai rien à dire en fait. Tant que je croise pas de minerais intéressants, bah, j'ai rien d'intéressant à dire, voilà. C'est pas de ma faute, c'est de la faute aux minerais, tu vois. Hop. Toc. Alors là, je force. Et en plus, je croise même pas de mobs. C'est un peu. Enfin, cool en même temps, mais dégueulasse d'un autre côté. Bon, c'est pas trop grave en soi, mais bon, j'aimerais bien en croiser quelques-uns histoire de les puncher, ça serait drôle. Hein? Ça fait longtemps que j'ai pas tué du zombie, moi en plus. Bon, ça va faire 10 minutes en fait, mais c'est 10 minutes avant le commencement de l'épisode, je suis allé tuer du zombie pour le fun, tu vois. C'était rigolo. Bon, je récolte toujours mes rails, voilà, c'est mon gros trip, voilà. C'est mon rail trip, wesh. Jeu de mots pourri que personne n'a compris, c'est pas grave. Oula, j'entends un mob. Et un mob qui s'appelle araignée. Où es-tu? Oh, en plus, je crois que c'est des araignées des cavernes, donc vous savez, celles qui sont chiantes et qui empoisonnent là. Et qui sont carrément méga pète couilles en fait. Merde, il faudrait que j'arrive à couper ça parce que ça serait chiant. Non! Ah bah, c'est bon, j'ai fait la connerie et on se retrouve entièrement sous l'eau. Donc là, vous ne voyez absolument rien, je vous rassure, d'un autre côté. Moi non plus, voilà. Un peu de lumière et plus d'eau. Tout va pour le mieux. Du pain en masse, ouais, c'est cool, ça fait de la bouffe. Tiens, en parlant de bouffe, c'est chiant le bruit des araignées, j'ai l'impression que ça s'approche, mais en même temps je les vois pas. C'est assez stress en fait. Toc, bah tiens, contre vous les araignées, j'ai détruit les toiles d'araignées. Elles sont peut-être en dessous, je sais pas. Oh, il y a du fer, hop, alors je pète ça. Et puis on se fait plaisir, du fer. Ah bah si, elles sont juste. Ouh la vache, y en a un paquet! Ouh, elles sont juste au-dessus et elles sont nombreuses à mon avis. Bon, ce qui est cool, c'est que je one-shot plus ou moins. Ça fait plaisir. Mais ouais, elles sont nombreuses, bordel de merde. Enfin, en même temps, c'est normal, il y a un mob spawner, vous me direz, mais. Hop, ah merde, ça c'est chiant quand c'est. Quand c'est en dessous, ça va, mais quand c'est au-dessus, t'as pas réellement l'avantage pour te battre, quoi. Allez, crève. Au pire, c'est quoi, je le casse le machin. J'ai cassé votre spawner. Vous pourrez plus jamais apparaître. Bande de souris des mers. Même si c'est des araignées des cavernes, je m'en fous. Bon, par contre, elles sont complètement buggées, ce qui est chiant parce que je suis complètement incapable de savoir où il faut taper, bordel. Regardez là, je tape où? Là, voilà, c'est bon, elle est morte. Ok. Bon. Il y en a d'autres peut-être? Des candidats au suicide? Allez, venez, n'ayez pas peur. Enfin, si, ayez peur parce que vous devez me craindre. Je sais pas où elles sont rendues. Oh, ah oui, d'accord, il y en a un autre juste là-bas. Ah la vache, c'est chiant. Bon, je déteste ces trucs. Mais bon, ça met un peu d'animation, on va dire. Ouais, elles sont nombreuses là-bas aussi. Hop, hop, hop. Allez, allez, allez. Merde, bah non, bah forcément, ça fait l'effet inverse. C'est-à-dire, quand je veux couper l'eau, ça en rajoute encore plus. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire. On va faire un petit détour, voilà. Toc, toc, toc. Putain, c'est chiant, sans déconner. Faut que je me batte dans l'eau contre des araignées, quoi. Hop. Où elles sont? Où elles sont? Où elles sont? Voilà, ok, j'ai stoppé l'eau. Bon, c'est déjà ça. Aïe! Fuck, 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 il y en a une juste là. C'est chiant en fait, surtout parce que ça empoisonne, quoi. Et ça, le poison, vous pouvez rien y faire. On peut juste attendre. De toute façon, j'ai pas le droit de mourir, hein, je m'en fous. Hein. Si je meurs, je me mets en peaceful, tu vois, le crawlage, tu sais. Non, sans déconner, c'est un peu chiant quand elles sont au-dessus, elles me tombent dessus en mode kamikaze! Et puis, bah, c'est un peu relou, en fait. Putain, c'est chiant, il y a de l'eau partout, regardez ça, c'est des colonnes. C'est des colonnes avec de l'eau. Partout, partout, partout. Allez, viens te battre, toi. Oui, bah toi, tu viens. Ouh, la vache, elle a même pas touché le sol, elle était déjà morte.
Oh là, il y en a une qui vient de mourir. Il y en a une qui vient de mourir. Oui, moi, il y en a parlé bien la France. Moi, vous vous embêtez. Tiens, toi, tu meurs. Et je détruis le mob spawner. Voilà. Normalement, il y en a plus trop qui devraient m'embêter. Sauf si on a un troisième derrière, mais dans ces cas-là, je pète un câble. C'est même plus du minage maintenant, c'est de l'exterminage, on va dire. Je sais pas, ça se dit en plus. Donc, je suis en train d'éclater mon épée à péter des fils, quoi. Sans déconner, rien de plus glorieux que de faire ça. Bon, ok, c'est fini, il y en a plus. Enfin, du moins, plus dans le coin. Aïe. Viens là, toi. J'ai combien d'argent? Quelqu'un m'a dit qu'on pouvait, en appuyant sur Y, voir, mais non, c'est pas vrai. J'aimerais bien, malheureusement, parce que j'aimerais bien savoir à combien d'argent je suis. Parce que c'est bien de trouver de l'or, mais il faut du fric après. Parce que voilà, pour mes comptes en banque et tout, il faut que je me renseigne. Mes comptes en banque Minecraftien. Non, ça n'existe pas, malheureusement. Il y a le revenu YouTube aussi qui peut comble ce vide. Sauf que ça, c'est que si vous faites des vidéos, mes petits amis. Puis de toute façon, personnellement, moi, j'ai rien à dire dessus. Parce que. Bon, voilà, ça se compte en centimes. C'est pas grave. Donc, en fait, c'est chiant parce que du coup, j'ai complètement perdu l'altitude et tous mes repères. Je sais plus du tout où je suis. Bonjour, madame mine abandonnée. Oh, tiens, hey, viens là, toi. Crève, voilà, ça c'est fait. Bon, laisse-moi prendre mon lapis-lalousie. Lapis-lalousie, oui, bien sûr. Je galère à parler, c'est génialissime. Enfin, non, c'est sûrement très chiant en fait, mais. Ya! Allez, pose une torche, oui. Ouais, c'est carrément un combat de venir poser une torche. Voilà, oh j'ai plein de trucs 6 spider eye. Enfin des yeux d'araignée parce que je préfère le faire à la française, ça m'évite d'avoir un accent tout moisi. Hop, un fer en un fer, ça va pas le faire hein. Si je ramasse que du fer, ça va pas le faire, surtout que je sais pas quoi en faire, bordel. À part des jeux de mots pourris, je sais pas quoi faire avec. Donc ça risque. Hop, alors là, jump. Waouh, truc de ouf. Ou pas, mais je vous embête. Oh, de l'émeraude ici, du goldron ici. Et de l'or ici. Ça va, il y a pire. Hop, alors, je prends ça. En fait, c'est un peu. Je crois envie de faire un saut à la Yamakaki, sauf que je risque de manger le plafond. Wouhou! Yeah, champion. Champion winner et tout et tout et tout. Hop, alors, on prend l'émeraude. Vous voyez que dalle, je suis désolé, je sais. Moi, je vois bien, pas vous. Parce que moi, en fait, je suis un loup-garou, en fait. Pour être sincère, je suis un loup-garou. Je vois la nuit. Je vois très bien, en fait, dans une luminosité minimale. Je sais, ça fait bizarre. Un loup-garou, vous me croyez pas, mais je vous assure. C'est comme ça, vous pouvez rien y faire, malheureusement. C'est une malédiction et tout. Et les Mayas, ils ont été sincères. Oh, regardez la vitesse à laquelle je pète le bois avec. C'est très intéressant, ça. C'est vraiment. Le coup typique de la pioche. Enfin, de la pioche, tout simplement. De la pioche, je veux dire, de la pioche enchantée, en diamant enchanté, si vous voulez, dans le Minecraft Vanilla, pour dire sans mode. Ou quand vous l'enchantez, en gros, efficacité 5 et. Enfin, vu juste efficacité, enfin, c'est pas 5, mais le maximum, je sais plus, c'est 3 ou 4. Là, vraiment, enfin, vous pétez tous les blocs avec. Hein, même les. Pour tuer du zombie, personnellement, j'y vais souvent à la pioche avec. Enfin, c'est juste. Un pur bonheur. Oh, du diamant, du lapis, du pain, du fer. Bon, c'est génial. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'on va arrêter le minage? Non, jamais. Plutôt mourir. Oh, il y a un truc là-bas. C'est quoi? De la lave. De la lave buggée apparemment parce qu'il n'y a pas de lumière à côté. Bon, je suis en train de me tout me faire à la même pioche. En plus, c'est bien. Et regardez, regardez combien de trucs j'ai dû miner avec. Bon, pas forcément énormément, vous me direz. Mais j'ai quand même déjà miné pas mal de blocs et on voit même pas la barre de durabilité quoi, si vous voulez, qui a descendu, c'est assez cool. De ce côté-là, c'est assez génialissime. Hop, regardez ça un peu. La vitesse à laquelle je déblaye, non, c'est tellement un bonheur, vous avez même pas idée. Enfin, si peut-être, mais non. Mais non, vous avez pas idée. Non! Reviens ici, la bouffe. Mon dieu, un faux mouvement. Hop. Jamais je ne perdrai de la bouffe. Enfin, j'espère. Sinon, je me suicide. Voilà. Je m'éclate à éclater, oui bien sûr. Je m'éclate à enlever toute la lave qui traîne. Il faudrait que je récupère de l'obsidienne. Ah bah tiens, ça me fait penser qu'il faut absolument que je vous montre. Parce que vous savez aussi, je vous avais montré du coup que les crafts coûtaient non seulement très cher en diamant, mais aussi en obsidienne. Donc là, oh zut, quel malheur. Il va devoir récupérer de l'obsidienne, ça va être méga long. Non, ça va pas être long. Parce que pour la simple et bonne raison que je vais montrer devant vous. À quelle vitesse on récupère l'obsidienne avec cette pioche? À vrai dire, je vais le découvrir en même temps que vous, on va bien voir. Bah voilà. Il n'y a pas d'avance rapide qui est faite là, non, non, c'est vraiment cette vitesse. Ah bah ça va, c'est pas trop long on va dire. Allez, ça se récupère on va dire. Allez,
aussi vite que quoi? On va dire un truc de la redstone avec une pioche en cobble, peut-être? Un truc dans ce genre, c'est à peu près le même rapport en même temps. Niveau qualité, qualité, durabilité, enfin bref, je me comprends. Bon, bah je vais en récupérer un petit peu, hein, que ça vous déplaise ou pas, de toute façon, c'est comme si je récupérais, sans déconner, de la stone en bas, sauf que là, bah c'est de l'obsidienne, écoutez. Non, sans déconner, la vitesse où ça va, c'est limite un plaisir. Hein. Là aussi, j'aime bien utiliser ce terme du coup en ce moment, mais ça va tellement vite. C'est tellement abusé, quoi, enfin, c'est juste génial. Hop, alors. Bon, j'en récupère, attendez, j'en ai combien? J'en ai pris 5 ou 6 là, peut-être un peu plus. J'en ai combien? 15, on va dire que j'en prends encore 5, on va jusqu'à 20. Et puis je vous laisse, j'arrête la tuerie, sinon ça va vous faire chier. Alors, 1, 2, 3, 4, non mais la vitesse où ça va, mais. J'ai aucun enchantement sur ma pioche, hein, je tiens à le préciser. Hein. Parce que imaginez un peu que j'ai un enchantement level 30, genre efficacité bah, 3, je récupère la cobble, enfin toute l'obsidienne en une seconde, c'est-à-dire aussi vite que vous le graviez avec une pelle en diamant, tu vois, enfin c'est totalement abusé. Ah là là, c'est beau la science, et les modes, et tout ce qui tourne autour de tout ça. Enfin, en même temps, j'en ai chié un peu pour avoir cette pioche, donc ça vaut la peine. J'en ai combien? 23, bah d'accord. Ça va tellement vite que je me suis même pas rendu compte que j'en avais pris 10 de trop. Enfin, 3 en fait, mais c'est pareil. M'embêtez pas. Ne faites pas chier dans mes calculs, c'est déjà assez dur de compter comme ça. Tiens, en parlant de compter, enfin peut-être que je regarde, non, c'est bon. Je vais regarder le temps de vidéo du coup, mais selon mon mini timer intégré dans ma tête complètement moisie, normalement je suis bon. Enfin, même si pour vous, bon, c'est 3 heures de vidéo, mais enfin, pour moi, je peux pas tenir beaucoup plus que 30 minutes sans dire trop de conneries, et surtout quand je vais miner en fait. Hein. Parce que du coup, j'ai moins de choses à dire, peut-être. Enfin, bref, j'aime bien. J'aime bien miner parce qu'il y a plein de trucs, et puis voilà. C'est trop simple, il y a tellement d'émeraudes. Oh la vache! Oh, hey, c'est magnifique, hein, c'est vraiment une belle caverne. Je pense pas que ça existe réellement, mais enfin, des cavernes comme ça, c'est peut-être celle d'Ali Baba. Ta-na-na-na. Oh, c'était tout pourri, je sais même pas pourquoi j'ai fait genre, c'était une blague drôle. Y a pas de mob, par contre, ça c'est assez surprenant quand même. Dommage. Parce qu'on peut pas tuer des gens quand il n'y a pas de mob. C'est pas grave. Allez hop, on récupère le fer. Du coup, je vais prendre. Alors, il y a du fer absolument partout. Et pour continuer sur ma bonne lignée de New Millénaire et sur les quelques débuts dans Glowglass Kingdom, je dirais. Non, merde, du fer. Mais qu'est-ce que je vais en faire? J'ai pas que ça à faire de récolter du fer. Merde. Voilà, j'ai pas de gros mots avec un fer. Quoique, va te faire, mais. non. Non, je vais éviter. Ça pourrait devenir grossier. Même si c'était le but en fait, mais c'est pas grave. Allez hop, on balance de l'eau en masse. Oui! Regardez, j'éteins la lave. Je suis trop fort, je suis meilleur que Chuck Norris. Respectez-moi. Ah là là, c'est tellement facile, c'est tellement abusé surtout quoi. J'ai mis un seau d'eau, j'arrive à éteindre plein de trucs de lave. C'est quand même assez cool. Bon, par contre, du coup, il en reste un peu, faut que je fasse gaffe parce que c'est un peu traître en fait de faire ça. Parce que là, vous voyez, il reste un petit peu de lave par-ci par-là, mais caché par la cobble. Ah, méchante lave. Donc, faut que je fasse super gaffe en fait. Et puis en plus, il n'y a plus de lumière, alors c'est tout moche. Eh merde, pourquoi l'eau vient là? Oh, d'où elle se ramène l'eau, wesh? C'est pas pour qui, ouais? Je cherche la merde. Ah non, d'accord, elle vient de là. C'est un peu trop haut. Tiens, je vais essayer de me la faire à Chuck Norris. Chuck Norris. Excusez-moi, vous voyez rien une fois de plus. Excusez-moi, faut absolument que je pense à mettre des torches. Ya! Boum. Oui! Hop, oh, excusez-moi, il y avait quelque chose ici, j'ai bien envie d'aller voir. Ta-ta-ta-da-da. Hop, voilà. Hop, en même temps, je récupère un peu de charbon. C'est quoi? C'est juste pour me faire un escalier à la base. Hein. Il y a des trucs par là-bas. En fait, je découvre plein de trucs et je mine que dalle. C'est un peu grave. En même temps, il n'y a pas grand-chose à miner. Moi, je veux du diamant, quoi. Mais je suis beaucoup trop haut. Je suis à 26. Le diamant, c'est en dessous de la couche 16. Hein, je tiens à le préciser. Bon, bah, c'est pas grave. Alors, quand même, il y a du lapis. Le lapis, c'est chiant. Je sais pas pourquoi je ra ramasse le lapis. Sans déconner, c'est inutile. Si je me ferais des blocs de lapis, parce que c'est grave la classe. C'est 9 ou 4? Ouais, c'est 9. Bon, bah, je me ferai des blocs de lapis pour décorer ma maison, écoutez. Ça peut être cool aussi, ceci dit. Hop, allez, ceci dit, mon cher. Non, je vais faire une blague de merde encore, il faut mieux que je me taise. Toc, oh, lave, lava. Comment on dit lave en anglais? Lava, je m'en souviens, bordel de merde. Tous les rage kits que j'ai fait dans Minecraft. Mon dieu. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ya! James Bond. Oh, vous avez vu un peu le parcours là?
Oh, trop la classe. Et là, par contre, je prends des dégâts, forcément, hein, quand je fais quelque chose de classe. Quand je fais quelque chose de super dur, bah, je gère. Et puis quand je fais quelque chose de facile, bah, je perds. C'est toujours comme ça, de toute façon, hein. Bande de fumier. Qu'est-ce qu'il y a dans le coin d'intéressant? Rien, en fait. Si ce n'est qu'il y a de l'eau bien chiante qui va me casser gentiment, enfin méchamment en fait, les bonbons. Mais bon, heureusement, je peux l'enlever. Toc. Et je garde tout cet or pour moi. Rien qu'à moi. Bon, la terre du médiane, c'est génial parce qu'en fait, le biome médiane est juste un biome, mais que j'ai trop envie de trouver. Parce que, mais on va trouver des trucs, mais tellement géniaux. Si pour un peu je le trouve. Et ce qui me fait chier en fait, c'est que cette terre, elle s'appelle Median Earth, je crois, ou Dirt, je sais même plus, c'est Earth ou Dirt. Ouais, c'est ça, enfin la terre du médiane quoi. Mais le biome médiane, mais tout simplement génial. Et mais je peux me faire des armes, peut-être pas aussi puissantes que l'ultranite, mais des trucs pas mal avec ce qu'on trouve là-bas. Et donc, du coup, bah si vous voulez, j'aimerais bien le trouver. Le problème, c'est que j'ai pas l'impression que Witch and More. Est trop envie de venir au rendez-vous, hein. Je sais pas si les deux modes sont pas très compatibles ou pas, mais bon, ou alors c'est un biome super rare aussi, hein. Faut avouer que les biomes sont pas tous super courants, mais quand même, ça me fait assez chier. Alors là, par contre, j'ai fait une petite bêtise parce que hop, alors il va falloir que je stoppe la lave parce que là, je viens juste de voir qu'il y a de l'émeraude en dessous, donc on va essayer de pas brûler et de d'éclater ça. Voilà, mahaha, c'était diabolique. Ouh, plus de lumière, ça fait bizarre. Hop, alors j'espère juste qu'il n'y a pas de lave, donc je vais essayer d'y aller doucement. Si normalement c'est bon, hop. Et 3 petites émeraudes, 4 petites émeraudes, oh yeah. Oh, j'ai 50 émeraudes, oh la vache. C'est quand même la classe. 50 émeraudes, bah donc, ça fait plaisir. Je récolte toujours du fer. Ce que je ferais limite avec le fer, je ferais plein de plastrons, mais genre 50 000 plastrons, tu vois. Puis j'irais les vendre au truc du royaume pour me faire encore plus de fric. Et je tiens à préciser que l'argent ne me sert à rien non plus parce que bah, parce que j'en ai trop tout simplement. J'en ai plein, je m'en sers jamais, enfin si ce n'est pour acheter quelques bricoles de temps en temps. Faudrait que j'y pense parce que je pourrais m'acheter des trucs cool, hein. Je pense au lieu de me faire chier à faire quelques arcs et tout, je pourrais juste aller faire un peu de commerce là-bas. Ça peut être assez cool. Bref, il faudrait que je regarde aussi. Est-ce que je me suis créé une... Zut, comment ça s'appelle? Ah, vous savez, le truc pour réparer les items. Enfin, bref, vous voyez ce que je veux dire. Une enclume, c'est ça. Il faudrait que je regarde si je peux en réparer une pour voir si on peut carrément réparer l'ultranite avec. Parce que là, si on peut, je vais me. Enfin, cette pioche-là durera l'éternité en fait, quoi. Ce sera juste la meilleure. En plus, je pourrais la renommer et puis je lui donnerai un nom un peu plus classe parce que. Parce qu'elle mérite un nom classe, tout simplement. Alors, je me réapprovisionne. En fait, je voulais dire improviser au départ, mais je m'improvise si vous voulez des torches. Mais au final, je voulais aussi dire réapprovisionner. Ou j'improvise mon réapprovisionnement en torches. Voilà, ça c'est classe. En faisant des trucs à l'arrache avec le bois que j'ai récupéré dans la mine. Voilà. Ceci dit. Oh, du lapis. Ouais, du lapis, plein de lapis. Ça me sert strictement à rien, c'est abusé. Je sais même pas pourquoi je le ramasse. C'est comme le fer d'ailleurs en même temps, mais bon. Hein, qu'est-ce que vous voulez? Il faut se faire de l'argent. Si on se faisait autant d'argent, on l'empêche sur un serveur. Je me ferais plaisir à mon avis. Je serais juste le joueur le plus riche du monde. Enfin, bref. Tac, tac, tac. Enfin, du serveur en tout cas, mais bref. D'ailleurs, si certains de vous, voilà, ça c'est l'instant pub en général que tout le monde déteste ou adore, je sais pas, ça dépend. Si certains de vous ont un petit serveur privé, enfin pas forcément à vous, mais genre vous jouez sur un serveur. Enfin, que vous connaissez, sur lequel vous êtes inscrit avec, allez, 10, 10, entre 10 et 20, pas 10, mais je veux dire 15, 20 personnes maximum. Je veux dire, si c'est un plus, j'ai envie de. Enfin, voilà, si vous êtes sur un serveur de. Allez, 15, 20 personnes maximum, hein, c'est exactement ça que je veux dire, je sais pas pourquoi je bug. Passez-moi l'IP, enfin, que vous voulez forcément que je le rejoigne, ou plus ou moins que vous pensez que je peux venir ou pas, enfin, je sais pas. Donnez-moi l'IP ou un moyen de le rejoindre, je ferai une candidature et tout s'il faut faire une candidature. Ça me gêne pas vraiment, enfin, pas du tout même, mais vraiment en ce moment, j'ai envie de me remettre à jouer sur un serveur Minecraft. Et celui en ce moment, j'en avais pas, je joue un peu qu'en solo, surtout au Redstone. En fait, j'essayais de faire pas mal de trucs Redstone, mais bon, vu mon talent, ça foirait à chaque fois. Mais voilà, j'aimerais bien me remettre à jouer sur une petite communauté, un serveur, quelque chose. Donc, si vraiment vous êtes sur un petit serveur, je ne veux pas un gros serveur parce que c'est chiant après quand il y a trop de monde. Mais genre, enfin déjà 20 personnes c'est déjà pas mal, mais genre si vous êtes, si vous connaissez même si vous n'y êtes pas un petit serveur comme ça, passez-moi, enfin dans les commentaires ou par message comme vous voulez.
bah justement, enfin le moyen de le rejoindre et tout, ou juste un nom de serveur, quelque chose, je me débrouillerai pour le reste. Vraiment, ça me ferait super plaisir. Ça serait sympa de votre part. Non pas que j'ai la flemme de chercher, même si c'est ça en fait. J'ai carrément la flemme de chercher, mais si vous voulez, il y a tellement de bons serveurs, j'ai envie de dire, qui traînent, que c'est super difficile de faire un choix. Donc tant qu'à faire, si je peux me retrouver avec certains d'entre vous, moi ça me ferait le plus grand plaisir. Il hein, y a vraiment pas de problème là-dessus. Donc voilà, vraiment, voilà. Si vous avez quelque chose, donnez tout ce qui est idée et tout, bah ça me fait plaisir. Voilà, c'était l'instant tout pourri de Glogloss71 qui raconte sa vie. Non, mais regardez la vitesse. Attention, regardez, tous ces blocs de gravier. Attention, je prends ma pioche en ultranite. 3, 2, 1. Wouhou! C'est totalement abusé, regardez la vitesse où j'éclate tout ça, quoi. C'est totalement abusé, sans déconner. Regardez, je viens de me récupérer, allez, 7 silex d'un coup, c'est rien du tout en fait, mais c'est déjà ça. Parce qu'en fait, ce qui est bien avec le silex, c'est que vous pouvez vous faire des flèches, j'ai l'impression, parce que c'est de plus en plus rare. Plus on avance dans les versions, plus le silex est dur à prendre quand vous pétez du gravier, sans déconner, ça c'est juste grave relou. Mais bon, ça c'est pas grave. Bon, je tourne en rond depuis tout à l'heure, donc heureusement que je parle, parce que sinon, ça serait pas très intéressant. Mais vraiment, je tente un dernier truc, c'est-à-dire descente à l'arrache, parce que là on est à 27, je trouverai pas de diamant ici. Et en plus, si je pouvais trouver un peu d'autres ultranites, moi ça me ferait plaisir, parce que je rappelle que j'en ai plus non plus. Donc voilà, on tente la descente vers l'enfer. À quelques minutes. Et puis, voilà, donc je suis à combien là? Parce qu'en fait, je descends assez vite quand même. Hein. Je suis à 14, je crois, c'est ça. Hop, alors on descend de la redstone. On prend la redstone, c'est rigolo la redstone. C'est tout pourri la redstone. Il y en a encore d'autres de la redstone. Il y en a partout. Il y en a partout. Partout. Ça se finit jamais. Bon, bref, on continue de descendre. Et donc, je vais vers les couches 6-7 carrément. Enfin, j'essaie d'atteindre la bedrock. Parce que c'est par là environ. Ouais, voilà. Là, normalement, je devrais être bon. Parce qu'à partir de là, normalement, on pourrait trouver de l'ultranite, si je me trompe pas. Donc voilà, on continue. Le fer, je m'en fous. Ça se trouve, il y en a au-dessus de moi en fait, mais je le prends pas parce que je suis bête et que j'ai pas vu. Attendez, je vais essayer de rester à cette distance. Ah voilà, du diamant. Bah, comme quoi, il suffit de miner au bon endroit. Hein. 1, 2, 3, 4 diamants. Ok, ça fait toujours plaisir. Je dois en avoir 6 au total. Non, 10. Oh, ça va, c'est cool. C'est pas mal. Oh, zut, de la lave. Bonjour, madame la lave. Je vous déteste. Je vous haïs. J'ai tous envie de vous buter, vous et votre famille de lave. Oh, mais c'est chiant, sans déconner, là. Oh. Wow. C'est quoi ça? Il y a de la lave partout, là? Ok, bah attends, je vais me décaler un peu. Hop. Oui. Oh, de l'ultranite. Tiens, je récupère de l'ultranite avec ma pioche en ultranite. Allez, allez. Oh, ça fait tellement plaisir. Ah, regardez, astuce de ouf. Vous voyez tout ce gravier qui va me faire chier. C'est-à-dire au moins deux blocs. Tadam! Oh, voilà, c'était l'astuce de ouf de. Oh, genre, je peux pas récupérer l'ultranite parce que j'ai pas de place sur moi. Très drôle. Qu'est-ce que je vais pouvoir dégager? Redstone, non. La dirt, non. J'en aurais besoin pour remonter. Faut peut-être que je me décide, sinon ça va disparaître et je m'en voudrais. Tadam, les pumping à la fond. Attends, c'est quoi déjà pumping? C'est melon? Oui, c'est ça, c'est melon. Non, c'est citrouille. Et citrouille, j'en ai plein, donc je m'en fous. Voilà. Non, bah voilà, c'est fait. Hop, à un moment, vous imaginez, genre, j'aurais pas remarqué, je serais parti sans prendre l'ultramnite. Et genre, mais vous l'auriez remarqué, mais je pense que je me serais fait mais allumer, mais tellement méchamment dans les commentaires que je l'aurais regretté toute ma vie. Du goldron qui me bloque le passage, merci. En fait, faut toujours partir avec une pioche en or, tout simplement, c'est assez chiant. J'allais dire assez chiant, mais non, ça se dit pas. Ce qu'il faudrait que j'essaye de me faire aussi, vraiment, pour le fun, on fera peut-être ça du coup dans le prochain épisode. Ça serait une. Zut. Un four en ultranite en fait. Parce que là, je vous ai déjà montré le truc en goldron qui cuit à une vitesse totalement abusée. Mais si on mettait l'ultranite, jusqu'à quelle vitesse ça irait, quoi. J'aimerais bien voir juste. Ça peut être très drôle à mon avis. Bon, ici, c'est pas le bon plan, il y a encore plein de lave. Ça m'énerve. Bon, on tourne en rond en fait depuis tout à l'heure, j'ai l'impression. Et on est remonté à une. Non, c'est bon, on est bien. Bon, si je pouvais trouver un dernier truc d'ultranite ou un dernier truc de diamant, et puis on mettra fin à l'épisode ici. Pour un peu que j'en trouve. Ah bah voilà, de l'ultranite. Tadam! Et là pour vous, vous dites merde, putain, il en a trouvé. Ça va être la fin de l'épisode. Et bah oui. Oh, par contre, il y a plein de cobble perdu là. Bon, bah à la place de la dirt. Enfin, oui, de la dirt. Oui! Voilà. Voilà, je me fais trop plaisir en fait. Oh oui, d'accord, en fait j'ai tout perdu depuis le début. Toc. Bon bah de toute façon, fin de l'épisode, inventaire plein, donc bon, tant mieux.
Voilà, hop, je sprint. Donc on va récupérer le dernier truc d'Ultranif. Vous en faites pas, j'ai pas oublié. C'est juste que je voulais pas partir en laissant tout ça de cobble derrière moi. Et ça m'a l'air bon. Ok. Oh, shit. Non, normalement vous êtes pas censé entendre, mais putain j'ai un. Enfin bref, il y a du bruit. Enfin, il commence à grêler dehors en fait, c'est juste génial. Enfin bref, c'était le truc inutile à raconter aux abonnés. Bon bref, là-dessus les amis. On va dire que c'est la fin de l'épisode parce que ça avance bien. Écoutez, oh shit. Voilà. C'est la fin de l'épisode avant que je me mette à brûler tout seul. Donc voilà, on se quitte ici. Puis je vais me démerder pour entrer en ellipse. Hein, c'est pas grave, on se quitte ici. Ça va être la première fois. Je suis désolé, on n'a pas notre ami Torche avec le bloc de diamant juste en dessous. Là, on a juste un truc normal avec le Gold Run à côté. Ça le fait, c'est pas grave. Je vous quitte avec ça dans la main parce que c'était un épisode bûcheron. Ou alors avec ça. Non, ça c'est quand même plus la classe. J'aime bien. Ça, non, ça. Oh, de la bouffe, c'est cookie. Oh, c'est cookie, tiens, en parlant de ça. Je sais pas pourquoi j'ai dit la bouffe, c'est cookie, mais c'est pas grave. Ça c'est classe quand même. Ou alors ça. Allez, on va. Adieu mes pauvres petits cookies, je vais faire brûler l'ultranite sur ma torche. Bon bref, là-dessus les amis, pour éviter de faire une outro trop longue, je vais essayer de faire ça assez vite. C'est-à-dire, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, vraiment de tout mon cœur et tout. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de commenter, de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait pour rien manquer des nouvelles vidéos qui sortiront. Vous pouvez aussi me rejoindre sur ma page Facebook, ça me fait plaisir, où il y a plein de petites news et tout. N'oubliez aussi pas de partager avec vos amis et tout. Et moi je vous dis salut et à la prochaine, bye tout le monde, salut!